Salut! Salut tous Arthur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je vous le demande jamais. Est-ce que vous êtes intelligent? Je suis personne pour juger, hein, mais bon, tant que t'as pas mis ton petit pouce bleu, je pense que t'es un peu con. À mon avis, hein, mais bon, si tu l'as mis, tu deviens immédiatement intelligent. Voilà, hein, c'est... ça a été scientifiquement prouvé, donc mets un petit pouce bleu. Le gros gratteur au début de la vidéo, tu sais. Non, aujourd'hui, les gars, on va jouer à des petits jeux. C'est une application qui s'appelle Brain Test, donc ça veut dire test ton cerveau. En gros, c'est plein de petites énigmes. Enfin bref, vous allez comprendre en regardant la vidéo. Jingle. Vous allez comprendre, c'est plein de petits jeux, de petits trucs et tout. Mais il faut quand même réfléchir parce que c'est pas évident, hein. Lequel est le plus gros? Donc du coup déjà, là je suis sûr, c'est pas genre le plus gros sur l'image, c'est le plus gros dans la vraie vie. Bah c'est l'éléphant. Yes, donc c'est lui. D'accord, en fait il y avait vraiment aucun piège, hein. Ok, comment faire fleurir cette fleur? Bah en enlevant le nuage. Ah ouais, non mais là pour le coup c'est hyper facile. D'habitude, attends parce que là on est au niveau combien là? On est au niveau 3 donc c'est normal. Mais ça va devenir de plus en plus dur les gars. Alors, qu'est-ce qui est le plus proche de nous? Le soleil? La lune? Ah! En fait fallait faire le truc le plus proche du mot nous. Le mot nous quoi, c'est pas de nous, c'est du mot nous. Combien y a-t-il de parts de pizza? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, mais on peut les bouger, il y en a derrière. Ah ouais, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, en fait. Faites glisser vers la gauche. Oh, je suis trop con. Je suis trop con. Alors, je me suis vraiment niqué, là. Ils ont dit faites glisser vers la gauche, sauf que la flèche était comme ça. Et donc là, c'est vers la droite. Oh putain, je suis trop con. Ouh, la boule verte. Voilà, on peut les bouger 100% les derrière. Ah non, faut mélanger les deux. Eh oui, ouais, parce que bleu plus jaune, ça fait vert. Qu'est-ce qui ne va pas sur l'image? Alors, ils sont déguisés, c'est Halloween. Pourquoi il y a un gâteau d'anniversaire alors que c'est Halloween? Il y a des bougies. Mais wesh, mais je tape dessus, ça fait rien gros. Bon, c'est quand on va regarder la solution. Regardez attentivement leurs mains. Il a 6 doigts. Waouh. Ah ouais, mais là j'aurais jamais trouvé gros. Attrapez 5 pommes qui tombent. 1, 2, 3, 4. Celle-là, elle tombe pas. Ah ouais, ok. En fait, si je prenais ceux qui arrivaient vers le bas, elle tombe pas. En vrai, je suis pas con. Hein. Minou doit sauter de l'autre côté. Sauter. Je suis un bâtard, je vais sauter dans le vide. Je peux pas rapprocher les montagnes. Oh, oh le champignon, je peux le bouger. Oh, je lui donne un champignon, il devient plus gros. Oh là là, ok. Ok, d'accord. 4 plus 5 fois 5 moins 2. Les gars, je suis fort en maths. Faut faire d'abord la multiplication. Donc c'est 5 fois 5, donc ça fait 25. Plus 4, ça fait 29. Moins 2, ça fait 27. Donc 27. Oh là là. Mais je suis un génie. Quel numéro cache cette pierre? 5 moins 15 moins 25 moins... Bah la pierre, moins 100. Je peux pas l'enlever. Ah bah si. 40. Non mais frère, c'est pas possible. Fallait juste enlever la pierre, c'est trop facile. Où est le mouton noir? Bah là, ça doit être un bail de... Ah non, on peut pas bouger les moutons. Oh. Oh, noir, on peut... Ah ouais. On pouvait prendre le mot noir de la question. Attends, mais je trouve super vite, là. Je suis trop chaud. Attends, mais je suis beaucoup trop chaud, les gars. Sauvez-la. On lui met la poubelle sur la tête. Ok, il y a un bail avec la poubelle. Avec les cailloux, il y a un bail, on peut les bouger. On va les mettre des cailloux sur la tête, genre plus une poubelle. Là, ça la somme là. Soyons stratégiques. On met un chat qui lui griffe les cheveux. Et des cailloux qui lui tombent sur la tête. Vas-y, c'est cohérent là. Oh, je sais pas, allez go. En se touchant, les nuages créent des éclairs. Ah ouais. Oh, c'est. Fallait juste faire les nuages. Attrape la souris. Attends, en fait, je vais n'importe où, mais faut que je regarde un chemin. Oh, je sais. Oh, je sais. En fait, on peut pas passer par là. Faut sortir du truc. Nya, tu vois là. Hop. Eh oui. Y a aucun chemin sinon. En fait, je suis un intello en fait. Quel terrible lancer. Arrange ça pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah. Wouah. Mais là, vraiment, je prends intelligent. Fallait secouer le téléphone pour faire changer les dés, tu vois, pour les lancer. Genre, je savais qu'il y avait des bails du genre, fallait bouger le téléphone et tout. Quel est le chat sur la droite? Ok, donc les trois sont pas bons. On va prendre le mot droite, non? Quel est le chat? Ah ouais! Genre, fallait faire genre comme ça pour voir le chat. Trouver les différences. Oh, faut marquer combien de différences? Oh, ça va être trop long. Il y en a zéro. Allez, bâtard! En fait, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de différence. Et en fait, il y avait zéro. Putain, ils m'ont fait perdre mon temps, quoi. Combien y a-t-il de trous dans ce t-shirt? Il y en a 4. Parce qu'il y en a 2 là devant, il y en a 2 derrière. Ah non, il y en a 8. Oh! Ah mais... J'ai réussi
Mais je pensais pas du tout que c'était ça. Quand elle m'a dit combien de trous a ce t-shirt, je pensais pas genre le t-shirt des manches, là, du col et tout. Je pensais là, il y avait deux trous. Et du coup, il y avait un ici. Après, à l'intérieur, il y en avait deux. À l'extérieur, de l'autre côté, il y en avait encore un. Tu vois, il y avait deux trous. Mais quand elle est à l'intérieur ou à l'extérieur, bah moi, j'en comptais plusieurs. Je sais pas si vous avez compris. Il doit atteindre sa voiture en évitant les zombies. Hop. Et voilà. Aussi simple que ça, en fait. Fallait juste les éviter. Fallait les esquiver, là, comme ça. Tel un ninja. Ok, ouvrez la bouteille de soda. Ouais. Si je secoue. Oh, ça marche. Mais gros, j'ai ouvert. Mais what? J'ai vraiment secoué en mode ouais, bah, ça a pas marché. Ça a vraiment marché. Incroyable. Quel chat est au-dessus de ce texte? Hop. Fallait déplacer le texte. Bah maintenant, on peut plus me la faire maintenant. Niveau 35 quand même, les gars. Hein. Il fait trop sombre. Je ne trouve pas mon chat. Wesh, c'est tout en noir là. Attends. Je suis sûr qu'il faut faire un truc avec le téléphone. Le retourner. Attends, y a pas une ampoule ou un truc là. Y a trois ampoules là, mais ça fait rien. Oh, attends, je viens d'avoir une idée, mais je sais pas si ça va marcher. Je me dis, si j'allume la lumière de mon tel. Mais je pense que c'est un peu trop, genre, l'application, c'est pas genre. Y a une ampoule là, je suis sûr. Oh, on peut la prendre. J'en étais sûr. Oh là là, j'en étais sûr, les gars, c'était un truc avec des ampoules là. Tout doit être prêt pour l'arrivée des invités. J'essaye ma technique de faire ça avec le téléphone, mais vas-y, ça marche pas. On peut pas bouger les verres, on peut pas bouger le plateau, on peut rien faire, on peut rien bouger. En fait, genre ceux-là ils sont propres et les trois là ils sont sales, je crois. On va regarder une vidéo pour qu'ils nous donnent la solution là, parce que j'arrive pas, gros. Ok, la solution, frottez vos verres, mais c'est ce que j'ai fait. Oh ouais, là ça marche. Mais gros, je l'ai fait tout à l'heure. Fallait frotter les verres, super. Où est mon lapin? Ok, donc là en bas il y a des yeux, j'ai l'impression. On peut pas bouger. Genre. J'ai rien compris de ce qui s'est passé là, pour le coup. Écrivez le plus grand nombre possible. Le plus grand nombre possible, bah c'est celui-là. Pourquoi ils ont mis des calculs? J'ai rien compris. Faites la terre par pitié. Qu'est-ce qu'on peut faire? On la secoue? Genre! Mais gros, j'ai secoué le téléphone et ça a marché. Non mais gros, ça marche tout le temps ça en fait. Mais à quel moment? Où est mon œuf au chocolat? Bah faut le prendre et le mettre au soleil. Ça marche pas. Ah ok, celui-là il est à fond parce que celui-là c'est un œuf en chocolat. Ah ok, 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 ok. Timothée a faim, donne-lui à manger. Ok, c'est super chaud. Donc faut mettre ça. Il veut du sel aussi. Il veut du sel, hop. Ok, eh ben, Timothée quand même, il est exigeant, hein. Alors, quel singe est malade en voiture? On va faire la technique, hein. Oui, j'entends une... Mais gros, ça marche tout le temps de secouer le téléphone, en fait. Aidez cette pauvre tortue. Oh, gros, je suis trop chaud. En gros, elle était comme ça. Et en fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait comme ça pour la remettre dans l'autre sens, genre. Ok, brûler tout. Bah, let's go. Hop. Hop là. Oh, j'ai compris. Faut pas brûler tout. Faut brûler le mot tout. Tout. Et voilà, vous êtes tout brûlé. Je commence à comprendre, en fait, leur petite mécanique, là. Pierre n'a pas révisé, il a un contrôle surprise. On peut pas... mettre ses yeux comme... Oh, son cou. Mais gros, j'ai juste fait ça comme ça et en fait bah il y avait son cou. Quel bâtiment est le plus solide? Faut les renverser. Faut secouer. Et voilà, ça marche encore, mais gros, c'est incroyable. Dans ce jeu, faut tout le temps secouer les choses pour que ça se passe. Enfin, pas tout le temps, mais genre souvent. Bah là, les gars, on est niveau 51, hop, on se spoil pas. On fera ça la prochaine fois. Il y aura sans doute une deuxième vidéo, une deuxième partie pour arriver au level 100, je pense. Bon, est-ce que vous avez kiffé, les gars? En vrai, les gars, des trucs étaient assez durs, des trucs étaient assez faciles. Et des trucs, je comprenais rien. Des trucs, j'ai réussi sans comprendre. Ça fait vraiment chauffer le cerveau, les gars. Et testez l'application si vous voulez. C'est pas du tout un partenariat ou quoi, de toute façon. Frère, Arthur IJB, personne me connaît. Jamais j'aurai un partenariat ou quoi, mais c'est juste un jeu que je voulais tester et tout en vidéo. Et en vrai, c'est plutôt cool, donc je ferai sûrement une deuxième vidéo là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, ça ferait super plaisir. Et aussi, activer la cloche de notification, c'est hyper important. Parce qu'au moins, vous recevez une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc, du coup, les gars, faites-le, c'est hyper important. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les gars, donc Instagram, mon serveur Discord aussi qui est dans la description. Mais surtout sur Instagram, les gars, je poste pas mal de stories et tout. Puis voilà, si vous voulez me parler par message ou quoi, c'est sur Instagram que ça se passe. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !